Depuis 1993, la journée du 3 mai a été décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies la journée mondiale de la liberté de la presse. Très chers téléspectateurs de Catholic TV, nous vous rejoignons aujourd'hui pour en parler. Avec moi sur ce plateau, l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Bonjour mon père. Bonjour, Jean. Voilà. Pour le rappeler, l'abbé Serge Patrick Mabikassa est prêtre de l'archidiocèse de Libreville, mais surtout directeur de la Maison catholique des médias. Et c'est en cette qualité que nous l'avons invité aujourd'hui pour parler de la liberté de la presse. Alors, mon père, rentrons directement dans le vif du sujet. Cette année, cette journée est marquée sous le thème Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. La contribution de la presse catholique au Gabon dans la promotion de la justice et de la paix. Il faut dire que de manière générale, la presse, elle est là pour former, informer et distraire. Depuis 1963, lors du Concile Vatican II, les évêques réunis en concile ont donné un décret conciliaire portant sur les communications sociales, appelé Inter Mirificat. Vous savez que les documents en latin, c'est toujours les premières lettres qui donnent le titre du document. Donc, Inter Mirificat, parmi ces merveilles, les merveilles du génie humain, il y a la communication, il y a l'invention. Du journal, de la presse écrite, de la presse, des radios, de télévision. Et le pape Paul VI disait que Dieu nous jugerait sévèrement si nous, catholiques, nous nous fermions à cette merveille-là. Donc il faut en user pour l'évangélisation. Nous venons de vivre, il y a 2 ans, la COVID-19. Qui, avec les églises fermées, il fallait communiquer, il fallait prier. Et nos évêques, la conférence épiscopale du Gabon, ont demandé au Premier ministre alors de permettre que nous puissions utiliser les moyens de l'État afin de pouvoir rejoindre les fidèles et les aider à prier. Les aider à écouter la parole de Dieu. Et nous avons eu cet exercice de la messe quotidienne à Gabon Télévision et le direct le dimanche depuis Gabon Télévision, depuis la maison Georges Rahuiri. Et cela a été une grande aide pour garder les gens dans la dynamique de la foi et une dynamique de la foi qui conduit à la charité. Et à vivre aussi dans l'ordre. Je crois que cette expérience a été bel et bien appréciée, c'est dire combien l'Église qui met au centre l'homme, tout comme l'État, nous pouvons travailler de concert pour le développement de l'homme, pour un meilleur accompagnement, pour une meilleure éducation. L'Église, les médias, c'est une nécessité pour l'Église de pouvoir les utiliser. Et là, avec Catholic TV, les pages Facebook nôtres, Maison Catholique des Médias, et bien d'autres pages à travers les diocèses et les paroisses, ce sont là des canaux qui sont utilisés pour l'évangélisation, pour la formation de l'homme et pour le rayonnement beaucoup. Suivent la messe à travers nos réseaux. L'homélie est toujours un lieu intense de formation, d'éducation. La formation est donnée et le respect mutuel, la vie de commandement, l'amour du prochain est répandu. Et je crois que l'apport de l'Église à travers les médias est un apport important dans la construction d'une société plus juste
et une société où les hommes et les femmes s'aiment et marchent ensemble. Merci bien, mon père. Peut-être un mot de fin, parce que nous acheminons vers la fin de cet entretien pour tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent, ou encore même pour tous les organes de presse, que ce soit du milieu catholique ou non. Un mot de fin. Je vous remercie pour cette initiative, cette invite à dire un mot sur cette journée de la liberté de la presse. Et je crois que pour nous qui sommes les hommes et les femmes du monde de la presse, souvent nous parlons des droits, de nos droits, et nous mettons de côté nos devoirs, le devoir de la charité, parce que, comme on le dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à lire, mais comme dit le Saint-Père, on doit dire les choses en tenant compte de la charité. Et ce que je veux dire, si ça me concernait, si c'était, est-ce que j'accepterais qu'on le dise, on dise de moi cela, et comme cela. Cela aussi doit nous guider dans notre recherche de la vérité, dans notre quête de pouvoir aller à la recherche et de pouvoir donner l'information. Et un autre point que je voudrais aborder, c'était, nous étions à l'Ambaréné pour la recollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville, et j'ai vu l'accident qui s'est produit la semaine dernière. Et puisqu'on parle de journalisme citoyen, mais je n'ai pas vu le trou dont le journaliste ou le cadreur, un commentateur, a dit que la voiture a été a dévié d'un trou pour pouvoir, dont nos routes sont mauvaises, nos routes sont... Vous voyez ça? Et puis, qui nous montre après les accidentés, du sang qui coule, même des morts. Je crois qu'il y a une manière de pouvoir apprendre, de pouvoir exprimer les choses. Et donc j'invite, et nous sommes ouverts, nous ici à la Maison catholique des médias, pour tous ceux et toutes celles, qu'ils soient de nos paroisses ou d'autres milieux, qui voudraient s'aventurer dans le monde de la communication, de cogner à notre porte pour que nous puissions vous donner ce qu'il y a de meilleur. Quand le Christ Jésus envoie ses disciples, il dit « Allez, baptisez-les, enseignez-leur que ici, ils peuvent recevoir une formation, un enseignement pour que ceux qui veulent faire un journalisme citoyen, ils puissent savoir les règles de l'art et non pas se donner en spectacle ou à la suite du buzz pour pouvoir, avec des selfies, pour montrer que je suis le meilleur, j'ai la meilleure information. Non, on doit respecter les personnes. Même la personne qui se noie, on n'a pas le droit de montrer la personne qui se noie. On doit d'abord aller sauver celui qui se noie. Je crois que c'est important qu'en célébrant les droits, nous puissions advenir à ce qui est de nos devoirs. C'est cela que je voulais exprimer à tous. Et bravo pour tous ceux qui se donnent dans ce monde de la communication et travaillent pour communiquer, pour nous donner de construire ensemble une société plus juste et plus fraternelle. Merci pour ces mots de fin qui nous rappellent la dignité de la personne humaine, dans l'exercice du métier de journaliste ou encore des métiers de la presse. Nous étions en compagnie de l'abbé Serge Patrick Mabikassa, directeur de la Maison catholique des médias, pour discuter en rapport avec la Journée mondiale de la liberté de la presse. Merci de nous avoir suivis.